Patrice Boulel, bonjour. Quelques semaines de cela, nous fin trouvons ministre de la Santé fin dire qu'il n'y a rien d'alarmant concernant la drogue synthétique à Maurice. Est-ce qu'il vous partage même l'avis que ce dernier? Vous connaissez, en matière de drogue, quand même on a un seul cas, c'est un cas de drogue. Parce qu'un cas de drogue, il détruit non seulement ça du monde qui peut fumer là, ou peut piquer, mais il détruit sa famille, il détruit tout son environnement. Il va dire un centre de cancer qui peut commencer et qui peut propager. Et généralement, il n'est pas capable d'un cas. Vous connaissez, nous avons également une étude à Maurice, genre, comment dire, Organisation Mondiale de la Santé, qui dit il y a où longtemps, nombre de cas de sida qui est là, ou bien multiplié par 20 pour qu'on ait la vérité. Moi, je crois que le nombre de cas de drogue synthétique et de drogue à Maurice, nous avons venu avec un chiffre par qui nous pouvons multiplier, qui ça qui peut donner la vérité qui peut passer, parce que le monde qui peut consommer la drogue synthétique, si vous gagnez lit, tant mieux, si vous pas gagnez lit, tant pis, mais il y en a beaucoup qui consomment et beaucoup qui cachent. Est-ce que le gouvernement peut amener une bonne mesure solide pour combattre la drogue à Maurice? Connais pas de mesure que le gouvernement peut amener, moi, tout une mesure qui est un peu négative, hein, qui est très négative même. Vous avez donné une méthadone, une discontinuée. Une discontinuée, ça ne s'en donne qu'une autre alternative. Vous pouvez introduire Suboxone d'une façon d'escalier, personne ne va pas comprendre. Vous connaissez quand on a un programme de... pour une drogue, qui est un programme de désintoxication, qui est un programme pour empêcher, où ils disséminent l'information. Vous avez une mesure que la population là connaît qui peut faire. À Maurice, c'est le monde du silence. On va dire pareil comme cette cachette droguée de la case, cachette ce traitement aussi. Personne ne connaît exactement la drogue, ce bon méfait. Tout le monde connaît, dit pas bon. Est-ce que la question est posée dans la plupart des familles, qui fait, dit pas bon. Comment, dit pas bon. Qui sont les faits à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a un problème de désintoxication qui arrivait. Et il y a de la drogue, par exemple, vous connaissez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un genre de comprimé, mais on ne peut pas mentionner de ce nom, qui permet de bannir un soldat pas dormir. C'est une drogue, il y a une dopé à ça. Mais seulement quand on dit qu'on est sorti de la guerre, et tout le temps qu'on est sorti de la guerre, un américain, etc., il y a un syndrome de, après la guerre, mais c'est un syndrome de la drogue. Si tu as un dopé qui, après, même quand tu as arrêté, de temps à autre, comment dire, vous gagnez une. Que ce qu'il dit en anglais, il y a un cold turkey, c'est qu'il dit qu'il y a un fatienne. Quand on fatienne, ou pas qu'on est quand on peut fatienne, quand on douleur là peut venir, et ce sont même douleurs réelles. Et à ça, si vous dites à mes élèves, peut apprendre, dans ce monde d'internet, monde d'accès à l'information, moi je trouve le monde de la drogue, mais il y a le monde du silence. Et de l'autre côté, vous dites à l'ONZ, écoute, mais à ce moment-là, l'ONZ aussi, il y a une chance de garder. Une propriété privée, il y a une. Mon modèle est l'ONZ, moi je t'appelle la monnaie pour guérir la drogue. Avec fait, on met dans l'autre monde là-dedans parce que la conférence là, moi qui vise à aller, moi qui vise à porte-parole dans le public, je ne vais pas montrer les pointes du doigt n'importe qui, mais ouvert, obligé, ou trouvé, moi je peux dire. C'est tout ça, du monde qui préoccupe la drogue là, tu viens de dire, pourquoi tu peux la drogue, Maurice? Qui vous pensez, ben travail, ben ONG en ce moment? Vous connaissez, ONG veut dire organisation non gouvernementale. ONG veut dire indépendance d'action. ONG veut dire qu'on n'a pas besoin de passer d'IBL aux personnes pour faire une action et à la fin de la journée, avec l'argent qui est CSA, qui est l'argent du sponsor, ou besoin d'un bilan pour vous montrer. À l'époque, on a créé une classification d'ONG qui est encore tout aussi valable aujourd'hui. Un mot qui s'appelle l'IPONGO, veut dire Politically Oriented NGOs, ça lui servit. Politique, carré, il dit pour faire, il pour inviter ministre, quel que soit le ministre de quel que soit le gouvernement, son rôle c'est ça même dit. Filmer de télévision, passer un coup, battre la colle, gagner la monnaie, et quand vous êtes qui s'en a inoccupé, quand il occupe 10 mounes, plus beaucoup d'argent finit dans les dépenses. Alors c'est vous gagnez l'autre qui appelle Bongo, ça lui fait business. Business, nous connaissons comme un business. Bien souvent, longtemps, moi je dis, quand bien souvent demande d'affaires religieuses, quand on peut mettre Tals dans sa, la salle là, mais même Tals peut mettre dans la cuisine, président, association là. Trop souvent, nous trouvons ça.
Moi dénoncer parce qu'il dit pas question moi dénoncer, c'est parce que c'est Bandimoun qui exploite la communauté pour prendre l'argent, ramasse casse de ciment ou tous autres ramasser et ou bien aucun contrôle l'eau là, ça c'est business. Parce que vous avez des autres qualités, Gongo, le government oriented NGOs, government, il est créé par le gouvernement. Après, il y a six tout réuni sous un chapeau gouvernemental. Là où il y a des faciles, National Children's Council, Women's Council, Elderly Council, un volet conseil, bon Dieu, qui conseille ce que je donne. Ils se réunissent ce monde ensemble, et quand vous mettez en fin de compte, qui peut arriver. Alors ce qu'on fait, c'est une histoire, là, un peu méchant. Moi, une fois, moi, mettais un fongo, là, c'est comique ça. Parce que, président, trésorier, surtout famille. Ça me dit qu'il vous signe chèque là, ça. Alors je banne business ça, l'argent là rentrait. Et si ce récit, comment est-ce qu'il y a une... La presse est un peu coupable d'une façon, sans vérifier, d'une banane couverture, et sa couverture médiatique là, et d'autres gagnent l'argent de l'étranger. Et alors là, et moi, je pensais à ce moment-là, qu'il y a une matière à réfléchir, qui beaucoup ONG n'ont pas gagné droit à servir de nom Mauritius. Pour gagner droit à servir de nom Mauritius, ou bien faire une évaluation de l'ONG pour être capable de servir. Parce que, ça prenne une richesse là, si vous servez d'un ONG, gagne beaucoup casse des hauts. Vous êtes capable, en tant que quelqu'un, moi, avoir une lettre, une fondation, et pas pour une blessure d'un accident, Michael Schumacher, demander casse, servir d'un homme richesse pour gagner. Vous pouvez devenir à peu près. Alors, si nous avons une transparence d'action, et une redevabilité d'action, parce que l'argent qui est ONG prend, et ça arrive dans le monde de la drogue, dans le monde de la santé, où il y a la transparence et redevabilité. Vous besoin trouver. ONG ne pas veut dire qu'il vous venez un employé, qu'il vous prend l'argent CSA, ou acheter le taux, ou dire vous mettez aux dépenses. Ou dépenses, besoin au minimum. Et pas boire de sang malgré là. Maintenant, nous passons au deuxième volet, c'est-à-dire système de la santé. Que vous pensez en général concernant le domaine de la santé? Depuis, je suis rentré dans le service. En 1978, après quelques années en Angleterre, et moi, je suis rentré comme généraliste. Ça, à l'époque-là, il y a un manque de docteur. Dans une zone, il y a un job. Il y a une population qui est moins, communication qui est moins. Et ben, docteur, à l'époque-là, il y a un travail. Il travaille beaucoup. Astère, docteur cause beaucoup. Astère, docteur, il arrive un moment, monter pour dire, c'est le Dieu argent qui dirige tout. Dans le domaine de la santé, on a une santé publique, on a une santé privée. Santé privée, il est bon pour les gens qui ont la casse. Et il est bon pour les gens qui ont privé. Pour qu'ils ne viennent pas en place de l'hôpital. Moi, d'accord, qui est en privé, il y a l'argent, il choisit ce docteur, il choisit ce clinique, il choisit ce client. Après, on a la santé publique. Santé publique, il peut détériorer. Et on peut poser la question, qui fait qu'il peut détériorer? C'est au bénéfice de qui qu'il détériore? C'est que dans l'intérêt qui s'en a, qui service qui vous donne dans l'hôpital, pas bon. C'est dans l'intérêt de privé. Quand la famille admet l'hôpital, une semaine et tout, il va pas guérir, la famille ramasse une casse, pas un peu bisou, si vous avez la terre, vendez, amenez de la clinique, on va dire, on amène la clinique pour les guérir. Et là-bas, par cause français en haut, par cause anglais en haut, par nettoyer avec un bon bill, à la fin, on casse, on la guérit. Et même ça fait, tu es capable d'arriver dans l'hôpital. Alors, ce n'est pas une qualité de service de l'hôpital. L'hôpital, il vient un genre de. Moi, tenir l'hôpital, c'est un bel travail que je fais. Ben, docteur là. Majorité docteur, bon, du monde. Majorité docteur, honnête, ils peuvent essayer même. Et là, manque l'expérience. Ils qualifient devant un pays capable. L'entraînement, pas si trop bon, mais pas fait rien. Nous sommes capables de continuer cette formation. Ils ont une formation continue au niveau des médecins. Et demain, si j'ai qui montre les autres, ils montrent les autres de bonne manière. Arrêtez de crier que malade. Arrêtez de jouer. Arrêtez de traiter malade comme on dit, il y a une morse-pied. Qui ont gagné le droit de faire ce qu'ils ont envie à lui. Alors là, je ne suis pas d'accord avec l'hôpital. Tandis que t'as même docteur qui crie à haut dans l'hôpital, dans la clinique, les gosses en les français à haut. Parce qu'il a les bouquins casse. Alors, qui fait le service Pégaté? C'est parce que nous n'avons aucun. Vous connaissez les gens qui peut conseiller le ministre. C'est même les gens qui conseillent le ministre avant. Nous, même si nous sommes dans l'opposition, même nous. Nous, nous dénonçons, même nous. Je me rappelle, je dis une fois, ministre de la Santé, qui dit madame Anouanji. Qui va nous une question de qualité de médecine. Avec une qualité de médecine, c'est retiré pour moi, pas satisfaire moi. Jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de doutes parce que mon médecin de la clientèle privée maintenant,
Moi, il y a beaucoup d'autres localités de médecine qui ont un standard de contrôle qui est là. Et un standard de contrôle qui est là, ou bien d'une façon de dire ça au public. Ce matin, on a des madames sur le site d'hôpital, tous les dingues et la fièvre, ou a sa quantité de panadol qui nous donne nous là. Pas belle, belle plaquette, longtemps, moi, tu donnes dans la main. Maintenant, plus hygiénique, d'une plaquette, d'une sac plastique. Ils nous donnent trop beaucoup, comme on dit, l'industrie de panadol, bizarrement, c'est comme on dit, j'ai eu, moi, j'avais 1000 panadol, ça, c'est maintenant, bah, t'as un coup fini. Alors, ce que le raisonnement, il y a un gaspillage au niveau des médicaments, et non seulement gaspillage, et l'année dernière, nous trouvons combien de millions de médicaments qui nous besoin de détruire, qui nous dépassent la date de péremption, ils nous besoin de détruire. Et alors, là, là, on commence à poser la question, est-ce qu'il y a un capitaine à bord? Ou est-ce qu'il a santé? Il y a un bateau qui roule tout seul, qui vous met un ministre, ou met un leut, qui vous change n'importe quoi dans la santé, y aller. Mais moi, je pensais que le public, maintenant, il est plus exigeant. Si un dimoun téléphoné, prend sur l'étang téléphoné, explique ce cas, il va gagner un traitement. Ah ben, quelque part, il va gagner un traitement. Est-ce que le ministre de la Santé peut assumer ses responsabilités comme un bizarre? Vous écoutez, je ne suis pas content de personnaliser le débat au niveau de la personne du ministre de la Santé. Moi, jusqu'à l'heure, je ne suis pas satisfait et aucun ministre de la Santé depuis les derniers 15 ans, 20 ans, je ne suis pas satisfait. Je tout nous roule le bateau. Chacun amène ce bout, chacun amène ce quelque chose. Si le ministère commence avec méthadone, il commence mal même. Et il peut continuer, il peut dire mal vérité, qu'il est conseillé, par exemple, au bandeau synthétique, déjà au Pénin, et dans ce ministère, il y a un département qui s'appelle l'observatoire. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont observé, il paraît que ma météo qui peut observer l'hiver quand il y a l'été. Même Maurice, mon conseil observatoire, le mot est dévalué. Un observatoire de la drogue, il fait un même des médecins. Quand on fait un même sang, il va peu peur, faux. Ou bien donner une alternative. Ou pas tirer des bidens sang. Bon, d'accord, beaucoup sont en désintoxication par drogue. Mais je ne pas tirer, moi, je dis dans le ministère, quand ils vont travailler encore moins. Ils vont travailler encore moins. Moi, je crois que nous, le ministère, mais c'est de comprendre. La santé, ce n'est pas une affaire de business de zoodocteur, zoodinfirmier, zoodomestique, zoodomestique, n'importe quoi. C'est au bizarre, mais avec un plan d'ensemble, un plan de réhabilite. Beaucoup de uniques qui ne peuvent pas marcher. Par exemple, département radiologie. C'est un scandale. Bon, pas dire ben docteur là, pas bon. Ben l'appareil là, vieux. Ben l'appareil là, vieux. Parce que le monde a changé. Mais tu es en Amérique, dans 5 minutes, une radiographie est là, mais il demande un résultat. Bon, pas une visite avec Maurice, tu es un film, get docteur, vini le lendemain, prends un rapport, réal get docteur, mon père dit en la journée, démissionner d'un côté, démissionner de l'autre côté. L'Amérique, il y a un digital. Qui fait, nous pas une vision de la santé. Dans quel secteur qui est là, qui marche vite et qui est capable d'accélérer le malade à l'hôpital. Ou bien, dis-moi, l'hôpital amène ce temps de manger, parce qu'il parle quand il peut rentrer, quand il peut sortir, quand il peut dépenser. Alors, nous avons besoin de différents secteurs, dans une salle d'opération, qui fait du monde tarder l'hôpital. Vous voyez, il y a un dossier. Il y a un dossier, comment dire, on va faire la Tour de France. Ça, c'est l'étape. Il y a une étape que vous suivez jusqu'à du monde qui sort avant de devenir une maillot jaune. Ce n'est pas normal. Et en dernier, en quelques mots, comment vous décrivez sa gouvernement depuis qu'il est au pouvoir? Sa gouvernement, il a connu, c'est la manière dont on parle, il mène le tout. Il n'a pas parallèle. Si maman est à gauche, si maman est à droite, jamais les roues droites. On est plus foutu qu'on est, ce n'est pas la roue devant plate, la roue derrière plate, ce n'est pas manque d'essence, ou peine à souffrir, ou n'importe quoi. Alors, ce gouvernement-là, il est vraiment un gouvernement qui peut battre folle. C'est pareil, il n'y a pas de monde important là-dedans parce qu'il y a un kamikaze, peut-être une attaque d'autres, tout ça. Et encore, il y a un monde moins important, qui grand matin tantôt fait un baisser, filmer les autres. J'ai vraiment quoi, du monde envie que j'ai de figure à la télévision. C'est que du monde bizarre. C'est ben, ne pas faire démagogie. Étudier le problème du monde. Dans le chemin, nous demandons qui du monde satisfait. Moi, je suis une victime de virer membre. Alors, je ne suis pas aigri. Je comprends qui fait qu'on tombe dans l'élection. Si tout le monde comprend, même jusqu'à l'heure, je ne comprends pas encore qui fait qu'on tombe. Mais maintenant, il n'y a pas qu'on comprend ça. Parce que je ne suis pas tout personne, je ne suis pas tout un génie. Incroyable, qui est capable de rassurer moi, qui est capable de faire même mes bons enfants avec une Maurice.
Ce gouvernement-là, il fait consolider le fait que tout le monde maintenant envie d'aller, envie de quitter, envie de rejeter la vie ailleurs et pas retourner encore. Parce qu'il y a peinant méritocratie, ou peinant inégalité de chance. Quand vous levez grand matin, vous levez, hein, vous avez un symbole de ce pays-là, vous avez un symbole, ce slogan de ce pays-là, vous avez un peu le tracé. Tout le monde, quand vous levez grand matin, il peut le tracé. Parce que sans tracé, il n'y a pas beaucoup de vie de ce pays-là. Satish Boulel, merci beaucoup.